notre flash spécial intitulé « Comment sauver nos moules frites ?». Aujourd'hui, nous avons eu une information des plus inquiétantes. La station biologique de Roscoff en Bretagne nous rapporte que l'acidification des océans provoquée par la dissolution du dioxyde de carbone dans les océans a pour conséquence la dégradation des fonds marins et des espèces sous-marines. Des études montrent que les coraux et les mollusques, comme les huîtres et les moules, sont particulièrement menacés. L'acidification des océans aurait un impact sur leur développement. C'est pourquoi, en grand gastronome, nous nous demandons comment pouvons-nous sauver nos moules frites. Regardez ce reportage tourné sur l'île Bora Bora. Bonjour, je reviens de plongée et je remarque qu'il y a des changements. Une diminution du nombre de poissons et de coquillages. Et j'ai aussi remarqué que les coraux perdent leur couleur. Chaque fois, cela m'attriste de voir mon océan changer. Les conséquences de l'acidification des océans sont dramatiques pour les coraux et toutes les espèces marines. Nous allons essayer d'en savoir plus. Et nous allons expliquer le pH en couleur. On verse du jus de choux dans une solution. Elle changera de couleur en fonction du pH. Et voici le résultat obtenu. Nous avons trois domaines. Acidité qui est de 0 à 7, neutre qui est à 7 et basique qui est de 7 à 14. L'eau de mer a un pH de 8,2. L'eau de mer est légèrement basique. On parle d'acidification car son pH diminue. Plaçons un coquillage dans de l'acide. Nous remarquons qu'il y a des bulles qui se forment. L'acide réagit au calcaire du coquillage et détruit la coquille. Maintenant, mettons un œuf dans du vinaigre blanc. Nous voyons qu'il y a aussi des bulles qui se forment. Et après un jour, l'œuf n'a plus de coquille et rebondit. Cette expérience montre que l'acide altère bien les coquilles. Il y aura donc un impact très important sur les organismes vivants dans l'océan. Pour mieux nous éclairer sur la question, regardez ce scientifique spécialisé des océans. C'est à cause de l'augmentation du dioxyde de carbone, du CO2, dans l'atmosphère. Avec les activités qu'on a tous les jours, on émet encore plus de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et ça depuis l'ère, ce qu'on appelle industrielle. La moitié du CO2 va être absorbée à la fois par les océans, mais aussi par les sols, les arbres et cet océan. Par jour, elle absorbe 24 millions de tonnes de CO2. C'est assez énorme par rapport à ce qui se passait avant cette ère industrielle. On a fabriqué du dioxyde de carbone par réaction chimique et on l'envoie dans une solution légèrement basique qui représente l'eau de mer. Le dioxyde de carbone se dissout dans l'eau et on voit que le pH diminue. C'est le dioxyde de carbone qui est responsable de la baisse de pH dans les océans. Merci à ce scientifique pour ses explications. Nous comprenons mieux ce phénomène. Nous nous sommes demandé si la population était bien au courant des risques encourus. Nous sommes allés à la rencontre des habitants de Croissy-sur-Seine pour savoir quelles étaient leurs connaissances sur ce sujet. Bonjour, avez-vous déjà entendu parler de l'acidification des océans ? Ah non, jamais. Bah, c'est les océans qui s'acidifient, du coup il y a plus d'acide. Je ne sais pas pourquoi. Alors le mot acidifié, ben, c'est l'inverse d'être basique. Donc je suppose qu'il y a de l'acide dans les océans. Quoi. On peut se rendre compte que peu de gens ont de connaissances sur le sujet. Pourtant, si l'acidification des océans se poursuit, toute la chaîne alimentaire qui va en pâtir et qui risque de s'écrouler. Ici est représentée la chaîne alimentaire. Les producteurs primaires comme les coraux sont à la base de cette chaîne. Au-dessus se trouvent les consommateurs primaires, puis les consommateurs secondaires comme les crevettes. Enfin, tout en haut se trouvent les prédateurs. L'acidification des océans, si elle se poursuit, va entraîner l'effondrement de la chaîne alimentaire. Vous l'aurez compris, il est crucial de changer notre mode de vie pour réduire les émissions de CO2. Parce que nous aimons plus que tout manger des moules frites. Nous vous demandons de faire des efforts. Ces petits changements dans nos vies pourront faire des grandes choses pour le futur, car si on ne fait rien, nos moules frites se transformeront en frites frites. Merci beaucoup de nous avoir regardés et écoutés.